la province de Ninh Thuận. Il est dans le centre du Vietnam. C'est une région hyper sec parce qu'il y a deux problèmes. Le problème de géographique. Le deuxième problème, c'est qu'on a fait beaucoup de déforestation. La désertification, on ne voit pas tout de suite, mais au fur et à mesure, avec la perte de sol, la culture est de plus en plus difficile. On a décidé de faire la grande muraille verte avec les bambous épineux. On a trouvé les boutures sur les zones secs. C'est l'origine, il a déjà poussé naturellement. Les bambous, il est facile à planter. Ils poussent rapidement et ils commencent à produire la biomasse importante. Ensuite, il va devenir un grand mur qui protège le vent. Ça permet de créer dans cette zone un microclimat et ça permet de cultiver mieux. C'est ça notre idée. Pour convaincre les paysans, il faut montrer le succès. Parce que si on n'a pas un modèle pour expliquer aux paysans, ils ne croient pas. C'est pour ça qu'on a collaboré pour travailler. Mais lui, il travaille sur l'agriculture. Donc il faut que le sol soit plus riche. Il faut moins de vent. Il faut que la pluie régulière, à ce moment-là, il voit l'intérêt. On a fait trois blocs différents pour augmenter la fertilité des sols. Un bloc avec le témoin sans rien couvert. Et deuxième, c'est on sème les haricots. Ça fait une couche végétale. Et troisième, c'est on a broyé les bambous, les branches, les feuilles pour couvrir le sol. Ici, on propose une culture sans besoin d'herbicides et en plus apporter l'intérêt fertilité et contre l'érosion, à ce moment-là, c'est intéressant pour les paysans. Pour justifier la quantité de l'eau pour arroser, on a fait un essai avec trois blocs différents. La première, c'est arroser comme les gens arrosent dans la région. Deuxième, sans arroser, les plantes vont profiter de la pluie naturelle pour survivre. Et troisième, on arrose local pour économiser l'eau. Le projet de la grande muraille verte va apporter les intérêts non seulement sur le plan climatique, mais aussi ramène les intérêts pour les paysans. La désertification, c'est un gros problème, non seulement au Vietnam, mais dans le monde entier.